Nous allons voir ensemble comment fonctionne votre cerveau, qui vous permet de vivre et d'apprendre. Nous allons parler aujourd'hui de la mémoire, de votre mémoire, où elle se situe dans votre cerveau, comment elle fonctionne, comment elle se développe, comment vous allez l'utiliser. La mémoire est l'une des plus grandes richesses de l'être humain. Vous êtes le pilote du développement de votre mémoire. Commençons tout d'abord par une question toute simple. Pensez-vous avoir une bonne mémoire, une mauvaise mémoire, entre les deux Si quelqu'un vous dit ⁇ Je perds la mémoire ⁇ que lui répondez-vous Pourquoi l'affirmation ⁇ J'apprends, je retiens ⁇ est en grande partie fausse Nous avons dit que notre mémoire est l'une de nos plus grandes richesses. Mais sauriez-vous détailler à quoi sert notre mémoire Notre vie n'aurait aucun sens sans la mémoire. Mais, dans le cerveau, où est logée la mémoire Dans quel organe Sous quelle forme existe-t-elle Au cours de cette présentation, vous allez apprendre où est située la mémoire dans le cerveau Y a-t-il une ou plusieurs mémoires Qu'est-ce que l'oubli Comment fait-on pour retenir efficacement Ce qui est certain, c'est que notre mémoire peut se développer immensément, à condition de savoir comment elle fonctionne. Revenons à l'emplacement des mémoires dans le cerveau. Où est logée la mémoire dans le cerveau Surtout dans le cortex, et un peu à l'intérieur du cerveau. Mais qu'est-ce que le cortex Et qu'y a-t-il dans le cortex Première question. Combien avez-vous à peu près de neurones dans votre cerveau Plutôt des milliers Plutôt des millions Plutôt des milliards Deuxième question. À quel moment se fabriquent les neurones Avant la naissance Tout au long de la vie Avant la naissance et jusqu'à l'adolescence Troisième question. Un neurone est relié à combien d'autres neurones Plutôt une dizaine Plutôt une centaine Plutôt des milliers Quatrième et dernière question sur les neurones du cerveau. Chaque neurone reste-t-il le même au cours de la vie Plutôt oui. Plutôt non. À quoi servent les dendrites Que se passe-t-il dans l'axone Que devient l'information quand elle arrive au bout du neurone, dans les synapses Et la mémoire dans cette forêt de neurones, où est-elle Nous avons une multitude de formes de mémoire différentes. En connaissez-vous quelques-unes Parmi les propositions suivantes de mémoire, essayez de dire s'il y en a qui ne correspondent pas à des zones particulières de mémoire. Trois idées à retenir sur les mémoires. 1. Vous possédez une multitude de mémoires spécialisées. 2. Elles fonctionnent toutes ensemble. 3. Vous pouvez les développer. Dans la plupart des actions, on utilise plusieurs formes de mémoire en même temps. Exemple, pour lire, faire du sport, utiliser une console de jeu. Vous réfléchissez un instant pour trouver plusieurs formes de la mémoire nécessaires pour résoudre une équation en mathématiques. Le grand nombre des mémoires spécialisées peuvent être regroupées en familles, qui ont toutes des fonctionnements différents. En voici quelques exemples. Celle qui nous sert à chaque instant est la mémoire de travail, située derrière le front. Elle sert à maintenir les informations qui nous servent à comprendre les situations, à écouter une conversation, à lire un texte et lui donner un sens, à dérouler une action. C'est la même mémoire pour réfléchir, comprendre, traiter tous les actes de la journée. Au fur et à mesure, les informations inutiles sont balayées, elles disparaissent. il s'agit d'une mémoire à court terme qui ne retient les informations que quelques secondes, quelques minutes. un camarade vous parle, vous entrez ses paroles dans la mémoire de travail, vous réfléchissez pour comprendre ce qu'il a dit et lui répondre. dans quelques heures ou jours vous aurez oublié la plupart des mots. vous aurez gardé peut-être un peu le sens des paroles, mais c'est une autre mémoire qui l'aura gardé. Une autre mémoire est celle des souvenirs, que l'on appelle la mémoire épisodique. Un souvenir est une sorte de scène que nous avons vécue, avec un lieu, un moment, généralement d'autres personnes, des émotions. Certains souvenirs s'effacent ou se déforment, mais on peut les conserver durant longtemps. La mémoire des souvenirs est une mémoire à long terme. La mémoire des connaissances, que l'on appelle la mémoire sémantique. Tout ce qui concerne notre culture personnelle, faite de mots, de définitions, d'explications, de théories. Elle contient les connaissances que vous apprenez au collège et ailleurs. Elle est très importante pour comprendre le monde, les choses de la vie. Il s'agit aussi d'une mémoire long terme. Mais n'oubliez pas que l'oubli est toujours là. La mémoire des automatismes qui contient la façon d'effectuer les gestes qui se font presque tout seul et très vite. Comme faire du vélo, écrire des lettres, lire rapidement, nager, etc. Les automatismes sont présents dans la plupart de nos gestes et pensées. Nous les avons appris à force de répétition, d'entraînement. Ils sont généralement retenus pour la vie. Il s'agit d'une mémoire à très long terme. On n'oublie pas ses automatismes. Nous allons à présent découvrir comment fonctionnent les mémoires. Et pour cela, nous vous proposons un petit exercice de mémoire. Concentrez-vous et essayez de répondre. Aux questions suivantes. Quelle conclusion tirez-vous sur l'évolution de nos connaissances en mémoire au cours du temps L'oubli. Mais qu'est-ce que l'oubli Nous allons vous demander votre avis. Choisissez une ou plusieurs propositions qui vous semblent convenables à propos de l'oubli. La forme la plus sévère de l'oubli, mais sans doute la plus fréquente, est la disparition totale de l'information. Nous allons vous proposer trois raisons qui expliquent cette disparition. A vous de repérer les deux correctes. Choisissez les deux propositions correctes. Elle a été écrasée par toutes les informations que nous apprenons. On ne lui a pas donné la possibilité de la faire passer dans la mémoire à long terme. On croit qu'elle a disparu, parce qu'on a énormément de mal à la rappeler. Beaucoup d'informations sont présentes en mémoire. Il est simplement difficile de les faire revenir à l'esprit conscient. Parmi les trois propositions, deux sont correctes. Lesquelles Troisième caractéristique de l'oubli. Que pensez-vous des deux propositions suivantes Les notions se déforment dans notre mémoire avec le temps. Surtout lorsqu'elles sont complexes comme les souvenirs de situations qu'on a vécues. Les souvenirs fidèles sont très rares. Beaucoup de personnes croient qu'un souvenir est fidèle. Comment vaincre l'oubli Ou comment utiliser efficacement ses mémoires La technique la plus solide est bien entendu de réapprendre plusieurs fois la même notion. Pour bien retenir une information, est-ce qu'il vaut mieux la reprendre plusieurs fois de suite, l'une après l'autre, pour qu'elle rentre bien en mémoire La reprendre plusieurs fois, mais à des jours différents Pour bien retenir une information, est-ce qu'il est préférable de la reprendre Plusieurs jours avec le même écart de temps, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi Plusieurs fois, mais avec des écarts de plus en plus importants, par exemple la première semaine, puis deux semaines après, puis quatre semaines après. Pour bien retenir une information, est-ce qu'il est préférable de lire simplement l'information Par exemple, ⁇ Clovis était le roi de France en l'an 500 ?⁇ De se poser la question et de réfléchir avant de proposer la réponse. Par exemple, ⁇ Quel était le roi de France en l'an 500 ?⁇ Lisez bien la diapositive suivante et nous vous poserons une question. Pour bien retenir une notion, il est préférable de réciter à haute voix, d'apprendre silencieusement. Pour bien retenir une notion, est-il préférable de travailler puis de bien dormir la nuit de garder le plus possible l'esprit en éveil, quitte à réduire le sommeil, pour que les informations ne s'échappent pas. Vous avez 15 secondes pour mémoriser le mieux possible la phrase suivante. Nous allons faire un test de concentration. Vous avez 15 secondes pour retenir les 5 mots qui vont s'afficher sur l'écran. Mais attention, 15 secondes c'est très peu. Donc il faut vous concentrer très fort. Attention, les mots vont s'afficher dans 5 secondes. 4, 3, 2,